Bonjour et bienvenue sur Topo Rando. Pour cette deuxième sortie de la saison, j'ai décidé de vous emmener dans le massif du Chablais, au sommet d'une belle pyramide, le Mol. Coincé entre les vallées de l'Arve et du Giffre, et à l'écart des autres sommets du Chablais, le Mol est vraiment une belle pyramide. Malgré son altitude modeste, son isolement lui vaut un panorama de premier ordre, aussi bien sur les massifs alentours que sur le fond des vallées environnantes. Le départ s'effectue depuis le parking de chez Bérou, à 1160 mètres, au-dessus de Saint-Jean-de-Tholomée. Le cheminement s'effectuera d'abord en forêt, puis, après le chalet d'Aise, une longue traversée à flanc de montagne nous mènera aux crêtes sommitales. La descente s'effectuera vers les granges de Marinier, avant de bifurquer vers le Petit Mol et reprendre le chemin pris à l'allée. Du parking, on emprunte le sentier qui s'engage dans la forêt. Il s'élève doucement et mène en moins de 40 minutes au chalet d'Aise. Au bout de cette belle ligne droite, on quitte le chemin forestier pour suivre un petit sentier qui part vers la gauche. À partir d'ici, la montée est un peu plus soutenue, mais s'effectue sans trop d'efforts. L'ascension du Mol peut être une belle balade familiale. Elle offre déjà à mi-parcours un magnifique point de vue. Rapidement, le sentier rejoint la piste forestière. De là, on l'emprunte à nouveau en partant sur la gauche. Le sentier quitte progressivement la forêt et offre un premier aperçu de ce qu'il va falloir encore gravir. Au détour d'un dernier virage, on atteint deux chalets qui dominent en contrebas une croix. C'est l'endroit idéal pour faire une petite pause. Arrivé au chalet d'Aise, la vue se dégage enfin. Au sud, la vallée de Bonneville, avec les sommets qui la dominent. Un peu plus à l'est, Cluses et le massif du Mont Blanc. À l'ouest, Genève et le Mont Salève. Et derrière, notre destination du jour, le sommet du Mol.
C'est un superbe panorama sur le massif du Bargy qui nous attend. On s'élève dans l'alpage, ce qui nous permet de bénéficier d'une vue de plus en plus élargie. Après un dernier lacet, une longue ligne droite mène sur la crête finale. Arrivé sur la crête, il faut d'abord prendre à gauche afin de rejoindre le sommet. Voilà, 1863 mètres, je suis au sommet. Le temps de faire une petite pause et d'admirer cette superbe vue. C'est d'ici qu'en 1775 que l'anglais Shugburgh a évalué la hauteur du Mont Blanc à 4804 mètres. Belvédère du Faucigny, le sommet offre un panorama à 360 mètres. Le Mont Blanc, le massif du Bargy, la pointe de Soudigne, le Salève et le lac Léman. Et bien entendu, la plupart des sommets du massif du Chablais. Il est maintenant intéressant de rejoindre la Croix, à 1843 mètres. Il y a plusieurs possibilités pour redescendre. Je vous propose ici de continuer sur la allée qu'il faut emprunter en sens inverse.
Voilà, j'espère vous avoir donné envie de parcourir cette belle rando. Si c'est le cas, laissez-moi un petit commentaire, un petit pouce vers le haut et n'hésitez pas à vous abonner. On se dit à très vite sur Topo Rando.